foudre. Ouais. Quand on a vu après que mon goût est mort, c'est la foudre qui a brûlé ça. C'est vrai? Quand on avait attendu mon goût est mort. Oui. Non, mais c'était du pain. Mm-hmm. La foudre a foudroyé. Attends, monsieur Candel le dit, il est témoin de tout cela. Lorsque on a entendu que Mobutu, le président Mobutu est décédé, le maréchal est décédé, on a eu comme instantané la foudre qui a frappé un peu tout ce qu'on voit ici. Non, c'est ça. Ça a brûlé pendant 7 jours. Interprète qui veut. C'est la même chose qu'on voit. Info TV, magazine. Mais tu vois comment c'était, tu vois quand même la structure générale. Mais c'était très beau, très très beau. Pour entrer ici, voilà. Il y avait que nous. Oui, c'est beau, vous avez la priorité. Oui, ouais, membre du parti. Ah, c'est les salles de réunion. De réunion. Chaque mardi, vendredi, hein, c'est là, c'est le même ministère. Ok. En haut là-bas, c'était le VUP. La VIP. En haut, à premier niveau, c'est de la conférence. Non, c'est ici. Rien pour voir comment c'était conçu. Je trouve ça formidable quand même. Tout ça sont les vestiges de l'histoire du Congo, hein. Okay. Comme ça s'appelait Zaïre, je ne sais pas pourquoi on a changé, pour que ça revienne au Congo. Bonne ligne, Zongi. Bon, c'est l'homme, ma promesse, ma réhabilité, pour la réhabilité. La réhabilité, comboté. C'est le côté. C'est l'aspect qu'on réhabilite. C'est ça qu'on réhabilite. La bonne langue, la bonne réhabilité, mais l'Égyptien. Mais quand on voit bien qu'on a eu, c'est pas typique pour les éthiques. Maintenant, on va courir, Oui, mais. Enfin, je ne sais pas le côté. Mais ça, sont les vestiges de l'histoire, la peuple. Ah, c'est ça, le problème. On n'arrive pas, je ne sais non, pas. Non, mais c'est parce que. Comment est-ce qu'on peut dire? Le changement, c'est dans le monde, tout le temps. Regarde un peu à Paris. Vous avez Versailles. Ça s'appelle Versailles. On ne veut pas changer parce qu'il y a le changement de truc, ça ne s'appelle plus Versailles. C'est là qu'était le roi, ils ont tué le roi, mais ça reste toujours Versailles. Donc, notre histoire devait aller comme ça. Là, ce n'était pas bien, mais on garde. On dit que ce n'était pas bien pour tel et tel. C'est ça l'histoire. Enfin, la raison, sa raison, quoi. Ou le cœur a sa raison. Non. Ça devait être le génie du Congo. Peu importe celui qui a fait, mais ça devait être le génie du Congo. Il faut écrire ça. Ouais. Il faut écrire. Moi, je peux écrire ça parce que j'ai connu ça. C'est ça. J'étais jeune à ce moment-là. Comme toujours. Ici, c'était quoi? Là, vous allez monter? Mais monte. Vous allez voir le truc. Tu m'as dit que je suis en forme. Vous êtes en forme. Il faut prouver que je suis en forme. Ouais. Voilà. C'est l'arc artificiel. Là, l'arc artificiel. C'est plein d'eau. Oui. C'est plein d'eau. Ouais. Et des poissons de toutes sortes. Ici. Oui. C'est là, l'arc artificiel a une forme de carte géographique. Du Congo. Du Congo. Vous voyez ça? Tu vois là? Ok. L'un des poissons, qui n'est pas pour manger, mais c'est pour faire. Pourquoi il n'y a plus de poissons? C'est pour voir les étrangers qui viennent. Comment tu poses la question? Il n'y a plus de poissons? Ils ont tout mangé. Ils sont en résidence. Ils ont tout mangé le poisson. Ils ont oublié qu'il faut renouveler le poisson.
Ça, on appelle ça. Et vous, la vous êtes carte. Ici depuis quelle année? Depuis 7 ans 5. Depuis 7 ans 5, vous êtes ici. Oui. C'est pour ça que j'étais encore nickel. Mais c'est ma femme, donc. C'est encore trop jeune, là. C'est pourquoi j'ai vu la figure. Je voyais la figure. Je voyais la figure. Et là, on connaît la figure. C'est incroyable. Mais non, c'est impossible. Bon, moi, on peut faire un tour de l'autre côté. On lui dise, parce que c'est comme le ministre, et c'est un jeune. Oui. Avez-vous Makambo était? Il faut que le conseil n'aille pas essayer. Le ministre va dire qu'il va visiter. Trois ou quatre ministres. Bah, je vais aller. Fond et bimi. Bon. Et bi. Bon, je vais bimi. Je vais prendre trois. Non? Variable tête. La cité du parti. C'est un besoin qu'on a la conseil du parti. Nous, c'est comment pour papa. En tout cas, c'est qu'on a assainissement pour nous entretenir. Et nous, papa, pour y bongater. Enfin, assainissement, quand on va mater. Pour y bongater, il faut. Et comment, c'est quoi? C'est ça le programme. Quand il y a un problème. Mais non, même tout ça devait. On devait engager les gens, les payer, et pour qu'ils puissent s'entretenir. Normalement, écoutez, et pas être où tu es, il y a Bamindel, on va s'accabouer. On ne laisse pas tomber les choses quand même. Hein? Pour le moment, mais là, on va te voir aller, ouais. Nous sommes des gens de tourisme, la fonction publique. Ouais. C'est surtout qu'il faut l'entretien. C'est pour vous les voir comme ça. Sinon, on va les tout entrer ici. Ça, c'est la richesse du Congo normalement. Comme c'est la richesse du Congo, il faut qu'on entretienne. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour toi, c'est pour les générations. C'est ça le problème. Le qu'on a vu tout à l'heure, on a vu ça au Poma Cambia, il y a Versailles, Palais de l'Élysée, où ils ont connu la Potouana. Oui. Bagarre à Kéango. Et tu vas en Belgique, tu verras toujours le Lanken. Tout ça, c'est bien, bien gardé pour la banane, comment? La génération, ils vont connaître leur pays, être heureux d'être dans leur pays. Et c'est la continuité. Je pense que maintenant que, comment on dit, le congrès de père et mère, mais c'est bien, mais il y a encore des choses. Les tribus, Abisso et Zalaki, Mouke Mouke, hein? Bakongo na tribu na Bango, Baluba na tribu yango, Bangala na batibu. Tribu wana, il faut effondre la tribu congolaise. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut Bomoko, hein? Et ça là, c'est plus telle tribu. Maintenant, nous marchons ensemble. Il ne faut pas être complexé parce qu'on dit yo uzamuti awapi nzamuti, et puis faire la petite, comment on appelle ça, l'égoïsme là, ça détruit. Il faut égoïsme na yo, et ça na égoïsme nangai naie na, ça va faire la grande tribu de la RDC. Mais ça, il faut que les enfants apprennent. C'est quoi, déjà, que se marier la tribu Yiming. Mais il faut que la tribu Moko, les Ali, Bomoko, Yakongo, c'est-à-dire tribu congolaise. Mais là, c'est de nous qui pouvons enseigner ça. C'est ça. Les abonnés. Les alors, il faut mettre les gens pour travailler là-dessus. Vous avez été là, vous avez dit, Awa, tout ça, ils ont la rendez-vous. Awa, ils allaient à la résidence privée. Le président Mobutu, ils allaient à Daipen, terminé. Donc, il y a une résidence privée à Yemoko. C'est quoi, Aye? Avant, il y a moi, c'est avant, maman Antoinette, hein? À ce moment-là. Maintenant, il y a une résidence privée à Yemoko. Pour ce que moi, il y a une lac artificiel. Mais c'est ça qui est ça qui a coulé à terre. Soit on peut aller côté là, côté là, hein? Bah si c'est ça qu'on a, bah côté côté là, résidence présidentielle, bah faut nous lui mettre place à Kuna. Comment Kuna? Kuna, mais ça coupe du mawana. Bon, bambis Kuna, ni bah ça, banane wa Kuna, bambis ni bah couvanda Kuna, bah tout est. Mais il faut sortir à ou, pour ce qu'on dit au coup. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a un peu de président, comment la résistance va être bannée. La mise va être en train de faire la résistance. Va quitter le camp, va filmer, va dire que la mise va être en train de dans le sol, si c'est qu'on visite, la mise va être en train de faire la mise. La mise va être en train de faire place. Bon, va être en train de faire japonais. Ba mise va être en train de faire japonais. La mise va être en train de faire la mise.
bakangi kuna château d'eau yango kuna kuna château d'eau o wana musika kuna wana bianderi o nisiko kutinga ya ça c'est la bianderi tu vois ça passe comme ça il y a levé de l'eau partout là c'est génial quoi. On continue. Hein? Le tourisme maintenant, il y a ça là. Bakupunga mbongo ikaina kesi ya leta na ministeri ya turisme yende ya kumona akokuma akumona ye mukunzi biso tuze basali mbosala mbongo ki ikoti na ngai awa na le chef de secteur pour le moment ya awa na secteur pagode ngai ngai chef de secteur kazuza bilkandolo pour le moment ndi ngai na le chef de secteur awa. La réhabilitation de la pagode et la pisciculture. La pisciculture, c'est la même chose. Ah oui. Okay. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Parce que ce que je n'aime pas, c'était la violence. Oui. La violence. Mais un père mouvement populaire, la révolution. Bah, je devais faire comprendre à chaque mardi soir. Oui. À la télévision, je commentais la politique du recours à l'authenticité. Ouais. Donc, on était là, les conseillers de l'Institut Makanakabo. Comme j'étais chargé du dossier politique, donc chaque soir, les mardis, on était avec un garçon de Bandaka, comment il s'appelle Eyenga. Oui. Eyenga. Il y avait Kasongo. On se présentait comme ça pour pouvoir commenter la politique du recours à l'authenticité sous la direction du directeur de l'Institut, Daniel Gambembo, professeur, philosophe comme moi. Ah, d'accord. Mais il n'est plus de ce monde. Daniel est parti. Et voilà. Voilà. Papa, bien, qu'est-ce que vous voulez encore commenter? Je n'ai pas trop à commenter, c'est d'abord très content de voir l'ancien du secteur. Il ne s'est présenté parce que je l'ai connu quand j'ai vu la figure. C'est vrai, il l'a vu. La figure maintenant, il était trop jeune, mais ça continue de voir. Je suis très content. Et les compagnons aussi, très content. Il est venu, il a vu l'habitation du chef de l'État, comme il était avec. Ça, c'est bien. Je suis très content. J'ai envie de se voir aujourd'hui. Ça, c'est Bin Kandolo. Voilà. Mais comment il y a Non. Comment il y a Batoma Niema? Tu m'as bien Ramazan. Batoma Niema, vous avez les tétés là, vous avez les. Non, les regards. Oui, bien, comment ça s'appelle? Lambert. Mende. Non. L'autre, Lambert. Non, Mende. Non, Mende. Oui, Zaleki, ministre de Poste et Télécommunication.
Lambert, et j'aime bien manier, mais. Tu dois le connaître. Attends. C'était un beau frère. Donc, Nazareki, avant ça, Nazareki, directeur de cabinet, naïe. Et puis, après, comment il s'appelle là, non, pas Mende. Bon, Ekoya, Ekozon. Ekoya. Ekoya, place, il y a Mende, Bachangaka. Oui, oui, Bachangaka. C'était ça. Comment il s'appelle, Lambert? Mon beau-frère, en plus, j'ai oublié de nous. Un des gens qui était à la banque, à la BCDC, BBA. Allons-y. Passez. Oh, c'est magnifique. le vieux se guide. Oh, le vieux se guide. Oh là 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 là. Ah, ça va. Il faut quand même sache. Ça s'appelle. Regarde, tu vois tout ça. Tout était prévu pour le. Ça, c'était une paillote. Ouais. Quand le cuisinier prépare là-bas, quand il y a une réunion là-bas, ouais. Tous ces cuisiniers amènent la nourriture, ils mettent tout ça là-bas. Alors les maîtres d'hôtel se mettaient là-bas. Okay. Quand la réunion est terminée, tous les ministres viennent de cette ici, ils se mettent ici. Ouais. Maintenant, le maître qui était là, il est tombé ou quoi pour les servir ici. Tu as pris l'autre? Non, c'est pas. Non, j'ai pris l'autre. J'ai déjà enlevé l'autre. Ouais. Ça fait une salle de maître d'hôtel. Ah, ça fait quoi? Maître de. Maître d'hôtel. Ok. Ouais. Tout ce qu'on préparait à la cuisine centrale pour servir le ministre, le membre du comité central, quand la réunion est terminée, il se mettait maintenant ici, dans cette salle ici. Lambert Tchombe. Tchombe? Lambert Tchombe. C'était la fête télécommunication. Tu as vu les. Oh là là, c'est des choses très importantes. Pour signer là-bas comme ça. Oui. Oui, c'est Tchomba. Tchomba, pardon. Tchomba. Lambert Tchomba. Tchomba, oui. Ah, Tchomba. Oui, oui, oui. Voilà. Ah, Tchomba. Lambert Tchomba. Ah, oui. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Lambert Tchomba. Lambert. Il avait étudié à Paris. Et quand il est venu, il a été ministre au PTT. Et puis, il m'a appelé, j'étais professeur Lubumbashi. Il m'a appelé pour que je sois directeur de cabinet. Bon? Oui. Je suis resté directeur de cabinet. On a fait avec lui ce qu'on appelle satellite de télécommunication. Oui. Na CDA. Oui. Et puis après, Bakangie, parce que il était dans le coup monté manqué oui. Contre Mobutu. Mobutu, oui. Bâti la prison. Oui. Et puis après, Mobutu l'a lâché, mais il est resté vraiment très faible. Oh là là, Lambert. Et puis il est décédé. Tu vois, tu n'es pas décédé, Lambert, tu es dans mon cœur. Voilà. Tout se comprenait à la cuisine, on mettait ça ici. Après, il y avait le membre du côté central, soit des ministres, ils venaient maintenant, ils se mettaient là-bas. Voilà. Et les maîtres qui étaient là venaient prendre ces choses pour les servir là-bas. Ok. Oh, c'était magnifique, hein. Tout était prévu pour mettre la vie à l'aise ici. C'était vraiment très beau. Oui, ce bâtiment brûlé. Mais ça, quand l'annonce du président Mobutu, nous, on travaille toujours à la cité du parti. Ah, donc, oui. On travaille. Ouais. Quand on a appris que Mobutu est mort, c'est la foudre qui a brûlé ça. C'est vrai? Quand on avait attendu Mobutu est mort, oui. Nous, on était à la cité du parti. Mm-hmm. La foudre a foudroyé ça. Entends ce qu'il dit là, c'est ouais. Significatif ça. Ok, c'est la foudre. Donc, vous entendez ce qu'il vient de dire? Tout ça, pendant 7 jours. Monsieur Kandé le dit, il est témoin de tout cela. Lorsque on a entendu que Mobutu, le président Mobutu
est décédé, le maréchal est décédé, on a eu, comme instantané, la foudre qui a frappé un peu tout ce qu'on voit ici. Non, c'est ça, c'est ça. Le sabre laser pendant 7 jours. Interprète qui veut. C'est la même chose qu'on voit. Ah bon? Ça a été comme ça. Mais tout a brûlé pendant 7 jours. Oh. Vous voyez toutes ces histoires-là? Ça, c'est... C'est super. Maintenant, on les servait ici. Après des réunions, on se mettait là-bas. C'est une belle salle. On se mettait là-bas. Les maîtres, maintenant, commençaient à servir. Mais ça, c'est, il faut que les gens du tourisme, là, le ministère du tourisme, qu'ils les réparent tout cela. Et qu'on remette vraiment à l'original ce qui était. On peut prendre les livres du Imper, on peut mettre là n'importe quoi, ça reste pour la culture de l'intelligence congolaise. Il faut me cambouane, bah officiel, bah yeba. Avant, n'a qu'un apoto, parce que n'a kimi, ponin. Si tu te rappelles bien, cher, Osongo, non. C'est Kandolo. Quand on te nomme, ou tu obéis, ou tu es puni. Au mois d'octobre 1979, je devais aller en congé sabbatique, parce que nous avons été professeur en même temps. Oui. Institut Makandagabobi et professeur. Bolikango, c'était le dernier premier commissaire d'État. Oui, oui. Oui, oui. Bon, Nagekuna Nalubi, chef. Je vais en congé sabbatique. À l'obité. Moi, je dis comment t'es. Parce que les changements vont se faire. Au Mongaliema, ils apprécient votre prestation. Attends ici, l'État va vous mettre ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Quand j'ai entendu ça, où il fallait rester? Où il fallait chercher un prétexte pour ne pas rester, parce que je n'aimais pas ça. Tu sais, quand on met quelqu'un, comment on appelle, commissaire d'État, il dit, je jure fidélité devant le président fondateur, c'est président de la République, chef de l'État. Oui. Je jure fidélité. Fidélité. Moi, j'ai dit, mais je suis comme un philosophe, je ne peux pas jurer fidélité à un homme. Mais comment est-ce que je vais faire? Je fuis. Alors, j'ai demandé au Premier ministre, pour Premier commissaire d'État, pour qu'il me donne l'autorisation de sortie. Il a refusé. Il dit, bon, alors, si vous refusez, vous laissez votre femme et vos enfants ici, vous allez tout seul pour revenir au milieu du mois d'octobre 1979. Moi, j'ai dit, chef, je ne peux pas voyager sans ma femme et mes enfants. Alors, il m'a dit, alors, vous gérez que vous allez venir ici le 15 octobre, parce que les mises en place, ce sera vers la fin du mois d'octobre. Vas-y, je jure. C'était mon premier mensonge. Je suis parti comme réfugié politique pendant 25 ans. La poteau. Et lorsqu'il y a eu le changement ici, il y a Mouzé qui est venu. Alors, j'ai dit, mais je vais tenter aussi pour venir. Alors, je suis venu ici, voilà, c'est comme ça que je suis. Depuis, je suis ici en enseignant. Je suis professeur émérite maintenant ici. Voilà, voilà le bon côté et le mauvais côté de mon mensonge. Mais je suis content de vous retrouver. Vous êtes de la génération, de notre génération. Là. Oui, oui. Ça me touche énormément. Oui, j'ai 82 ans. Mais bientôt, je vais avoir 82 ans. Moi, j'ai 82 ans. Regarde. Le 14 avril, j'ai 82 ans. Ouais, Et puis, il a la mémoire. Hein? Il a la mémoire très, très vite. Regarde comment il te raconte tout cela. C'est magnifique. C'est magnifique. Dieu bon. Qui m'a créé ainsi. C'est Dieu qui m'a créé ainsi. C'est Dieu qui t'a créé ainsi. Qui nous a créé ainsi. Et Dieu, tu nous as créé ainsi. Tu nous bénis. Bon, de tout mon amour, de toute ma lumière, cela est. C'est tellement beau, c'est tellement beau.
La vie est belle. Mais il faut la respecter. Je crois que ça, on a fini. Voilà, merci pour notre découverte. Voilà, ça va juste là. Alors, quand je venais, je n'avais jamais découvert ça. C'est la cité. C'est ça la cité, c'est du parc. Vous venez, vous restez là-bas, la cité du parc. Je me suis fait photographier en bas de, ça que tu vois là, de la tour là. Ouais. On dormait dans les paillettes, là, dans les studios. Une fois, quand c'était la session de premier, comment on appelle, les députés à ce moment-là, les représentants, comment les appeler à ce moment-là? Les commissaires politiques. Les commissaires politiques. Oui. Il y avait à côté de là, là, une chambre. Non, c'était pas une chambre. Il y avait une salle de conférence. Oui, il y avait une salle de conférence. Mais là, il y avait des. Il y a le. Comment on appelle ça là? Oui. L'Olympique. Oui. Piscine là-bas. La piscine. Oui, on se lavait là, c'était très bien. Non, ce que je veux dire, il y a le président, le Tshisekedi, qui était dans une. Il y avait cinq villas là-bas. Oui, un jour, je suis allé le voir. Comme il m'avait vu à l'Institut Makaragabomi, je viens, il dit, Tshibang, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, monsieur le commissaire politique, je voulais simplement vous voir. Alors il a dit, non, ce type est avec mon bouton, moi, je ne veux pas le recevoir. Et je suis. Ça réveille en moi mon enfance. Et je voulais être politicien, mais pas pour jurer comme ça, ma maman. Il y avait Mokolo. Oui. Il est, Roland Mokolo. Bon. Oui, il est de ma génération. Bon. Il y avait Seti. Il était de ma génération. Il y allait. Oui. Donc, c'était les gens de ma génération. Ah bon. On avait fait l'Ovanium ensemble. Ouais. Après 2 ans de vie, je suis parti en Europe. Tu as mon secret maintenant. Si, je suis très content. Bon, on peut y aller. Merci. Info TV, magazine.